Bonjour à tous, chers membres fans, bienvenue dans cet épisode de 100% Swing, un épisode qui est consacré au slice et surtout à la façon de le vaincre. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 5 épisodes qui vont traiter de tous les aspects de cette trajectoire de balle qui gâche vos parties, bien malheureusement, afin de vous donner les moyens de retrouver une rectitude dans vos trajectoires de balle qui va se traduire, bien sûr, par beaucoup plus de performance sur le parcours. Règle numéro 1, si ici tu as une ligne d'épaule qui n'est pas au minimum parallèle à celle du sol, tu n'as aucune chance de réaliser autre chose qu'un slice. C'est-à-dire que, comme la plupart des joueurs, parfait au niveau de tes épaules, attention maintenant, évidemment, tout ça n'est vrai que si tes hanches exactement restent, ta ligne de hanche reste parallèle à ta ligne d'épaule. Les sliceurs ont tous le même réflexe, ouais, qui est pour un droitier, qui est systématiquement d'orienter la face de club vers la gauche. L'idée d'un club qui se referme, donc qui s'oriente à gauche, va bien à l'encontre d'une balle en voyant la balle à droite. Hein, et c'est exactement ce que je recherche quand je veux sortir du slice. Exactement, vas-y, montre-nous à nouveau. Ouvert, fermé, au lieu de fermé, ouvert. Donc fermer le club à l'adresse, hein, et l'orienter à gauche de la cible pour minimiser l'effet ne fait que augmenter vos chances d'aller vers un slice.